bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Bonjour, je suis ici aujourd'hui, Centre Nature Forestier à Saint-Lazare. Je suis déjà venu ici auparavant à l'hiver. Je suis jamais venu à l'été. Ça fait penser un peu à la forêt La Rose. Puis, je suis jamais venu ici, comme dans ce bout ici des trails. Je suis venu dans l'autre bout, là, mais ici, non. Parce qu'à l'hiver, ici, c'est plutôt pour le ski de fond, cette section ici. Mais à l'été, on peut venir randonner. Je suis supposé de faire 9,4 km, mais j'ai parti un petit peu tard. Parce que je savais plus où je m'en allais. Là. J'étais supposé aller à Gatineau. Après ça, j'ai changé d'idée. Puis là, ben, j'étais faire des petites commissions. Puis là, j'ai dit, ben, je peux pas gaspiller la belle journée. Je peux pas rien faire dans la nature. J'avais des choses à faire. Je vais préparer Zoé là, avec des traitements politiques et tout ça là, pour l'apporter avec moi. Parce que là, ça me faisait un peu de peine. Je voulais pas l'apporter ici là, avec moi. Juste au cas là, qu'on ait des problèmes avec les tiques. Je sais bien qu'elle peut en avoir dans la cour chez nous, là, mais je veux pas faire exprès à l'emmener dans les bois sans être protégée. Fait que j'ai tout été acheter des choses pour ça. Puis, faut laver aussi tout mon stock pour le backpacking pour notre voyage le 25, 26, 27 mai sur la montagne là, où ce que je vais aller. Couché sur le top de la montagne de 120 mètres d'élévation. Puis c'est ça, faut que je prépare mon stock puis tout ça, puis c'est ça, à peu près. Puis c'est pas, c'est beau là, c'est une belle place de nature, mais comme c'est pas, je veux dire, il n'y a pas d'élévation ici, il n'y a pas vraiment de choses wow là, tu sais là, c'est juste la nature qui est wow là. Ici, là, c'est, il y a beaucoup de petits sapins, ben, des grands sapins, je devrais dire. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Outdoors, forever free. Hello. Bon, je pense que je m'en viens à la fin, mais j'ai pas fait. Il y a beaucoup de trails ici là. C'est comme, c'est fou. Il n'y a rien d'exceptionnel à voir, comme j'ai dit, mais vous êtes dans la nature. Puis, comme j'ai dit la dernière fois, je pense que c'est une belle expérience d'emmener des jeunes ici. Même si s'il y a des profs qui veulent emmener des jeunes, ce serait une bonne chose. Parce que c'est une belle petite place. Mais c'est vrai que faut quasiment avoir un bon sens d'orientation. Parce que je voulais pas faire toute la tête de 10 km. Je voulais juste en faire un bout parce que j'ai des choses à faire. Puis j'ai fallu faire du bushwhacking pour me rendre l'autre côté de la trail pour me rendre plus vite. Mais si t'as pas d'orientation
Oublie ça. Je peux pas dire qu'est-ce qui est nord-sud-est-ouest, là, mais je sais où je m'en vais. C'est ça que je dis tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je sais où je m'en vais. Mais je peux pas te dire que je m'en vais nord-sud-est-ouest, oublie ça. En tout cas, oui, ça, je voulais dire. Cette trail-ci, il y a deux parties bien différentes. Il y a une partie, ça me fait penser un peu comme ici, cette partie-ci. Ça me fait penser beaucoup là, aux trails faciles au parc Frontenac, que je vois plusieurs fois par année faire du backpacking. Fait que j'aime ça, ça me fait vraiment penser à ça. Ça me ramène des beaux souvenirs, des beaux voyages qu'on a fait, puis tout. Puis l'autre partie, ça me fait vraiment penser à la forêt La Rose. Vraiment beaucoup, beaucoup. C'est vraiment pas pareil du tout, du tout. C'est comme si c'est deux forêts différentes, là. Puis c'est vraiment différent. Ici, c'est plat. Là-bas, il y a beaucoup. C'est un petit peu plus montagneux. Il y a des ruisseaux. Ici, il n'y a pas de ruisseaux. Ici, c'est beaucoup de sable. Parce que, je sais pas, je pense que je vais vous le montrer, là, tant qu'être ici. C'est comme un gros, à côté d'un gros pit de sable. On dirait que c'est un désert. Puis là, on marche. Là, oh non. Yuck. C'est parce que j'ai haï marcher dans le sable. J'haïs ça. C'est pour ça que j'aime pas ça des beaches, des plages, j'aime pas ça. Ben, j'aime pas marcher dans le sable parce qu'on dirait qu'on l'avance pas. On dirait qu'on spin, puis j'haïs ça. Puis là, ben, regardez, ça a l'air d'un vrai désert. Fait que j'ai comme pas le choix parce que c'est juste ça qu'il y a. Ah, que j'haïs ça. Puis là, je vais aller souiller plein de sable, puis. Ah, j'haïs ça. Il n'y a même pas moyen de passer sur le côté pour éviter de passer dans le sable. C'est comme. C'est comme pas le choix. Ah, je pourrais aller là-bas. Ah, j'ai ça. Je sais pas si vous en souvenez, mais je suis venu à l'hiver. J'ai passé sa même trail ici. C'était. Oh, oh, oh. Bon, je vais raser mon forger. Une lettre de show go on. Ouais, regarde, c'est comme un quarry. Il y a même une table de pique-nique. Mais c'est pas. Dans ce parti ici, là, c'est bien bruyant, justement pour ça. Parce que là-bas, en rentrant, c'est un gros pit, là, puis. Je sais pas si on les entend. Là. Vous entendez juste le vent. Mais il y a des gros pits avec des gros camions, puis. Tout ça. Fait que. C'est un petit peu bruyant. C'est pas la première fois que je viens. À chaque fois que je viens, il y a toujours un hélicoptère qui passe. Fait que j'assume qu'il y a quelque chose avec un hélicoptère près d'ici. Ok, là, je t'avais de sortir mon bof là, pour faire comme un. Comme le monde d'un désert. Là. Agua, agua. Ok, je vous laisse. Là, j'ai niaisé. J'ai quasiment fini. Bye bye, bonne journée. Profitez-en. She's waiting.